Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour cette guidance mensuelle, cette dernière guidance de l'année. Donc, comme je l'avais dit, il s'agira d'une guidance vraiment collective. Je ne sais pas encore si je vais faire une extension sur les 12 signes. Si je la fais, ben, vous la trouverez sous la vidéo comme d'habitude. Et si elle n'est pas là, c'est que je ne l'ai pas faite. Voilà, parce que comme je le disais dans une des dernières guidances, je suis comme tout le monde en ce moment, je suis dépassée par beaucoup de choses. Et dans une vraie énergie de ralentissement. Et donc c'est déjà compliqué pour moi de faire cette guidance-là. Et en même temps, je suis très appelée à la faire ce matin et j'ai envie de la faire. N'en déplaise à certaines personnes qui pensent que je n'aime pas ce que je fais. Donc voilà, mais si vous vous sentez dépassé et en plus vous savez même pas pourquoi, par quoi, comment, sachez que je vis exactement la même chose et que c'est compliqué pour moi aussi. Le premier message qu'on a pour le mois de décembre, c'est un mois où il va être très 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 important d'être ancré. Je vois en fait des espèces de vent stellaire ou de je sais pas trop quoi. Voilà, ce côté être balayé par les vents. Alors je sais pas si le soleil nous réserve encore quelques poussées, quelques tempêtes solaires ou si c'est autre chose, d'accord. Mais je vois des vents en fait, des vents invisibles, des vents de molécules, des vents de lumière, des vents de comme ça. Et donc il va être très très important sur ce mois de décembre d'être vraiment bien ancré, bien présent à soi-même tous les jours, déjà pour faire face à sa vie, mais aussi pour affronter, pouvoir absorber en fait, non pas l'énergie, parce que cette énergie est une énergie qui nous traverse, mais le choc en fait, hein, vous voyez, vraiment le choc. Comme quand on fait face à du vent, il faut être bien stable sur ses pieds, dans une bonne position, faire attention à ce qu'on fait pour pas se retrouver le cul par terre. Voilà. Le mois de décembre est aussi un mois d'éclaircissement et de nettoyage. Ce que je vois sur ce mois de décembre, c'est justement du noir. Des énergies plus sombres, de l'ombre à l'intérieur de nous qui va être dégagée en fait par ce vent. Mais du coup, pour certaines personnes, si vous êtes encore accroché à des personnalités, à des identités, à des relations, à des choses dans vos vies, ben, vous pourriez avoir l'impression de vous retrouver les quatre fers en l'air en fait, ou qu'on essaye de vous faire vous renverser. Ça, c'est parce que vous n'arrivez pas à lâcher sur quelque chose. Mais donc voilà, il y a ce côté-là et en même temps, ça a l'air un petit peu diffus, donc on pourrait vraiment passer le mois de décembre avec l'impression qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et ben c'est ça en fait, voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Donc l'ancrage. J'ai pris mon jeu à l'envers, donc voilà. On pourrait se retrouver les quatre fers en l'air sur ce mois de décembre, la tête en bas, les pieds en l'air. Je regarde si j'ai assez d'électricité pour faire la vidéo, mais normalement c'est bon. Ok, alors on va déjà commencer à l'échelle collective par le sujet du mois. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Pour ce mois de décembre 2024, dernier mois d'une année qui a été bien chargée. Alors on a le roi de coupe qui sort de côté. Ok. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée et on a le 2 de bâton. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est clair, sur le mois de décembre. Le roi de coupe est une énergie de maturité et d'intelligence émotionnelle, d'accord? C'est aussi une énergie de donner et de recevoir. Je suis dans une posture où je suis capable de donner, en fait, sans que ça me pose de problème, sans que ça me questionne sur ce que j'ai ou ce que je vais perdre, parce que ce que j'ai,
ne peut pas me quitter. D'accord? Le roi de coupe est un roi qui est vraiment extrêmement branché, connecté à la loi de la vibration, parce que, à la loi de l'attraction, parce qu'il sait comment ça fonctionne. D'accord? La loi d'attraction, l'attraction, cette loi-là ne vous permet, c'est pas quelque chose qui vous sert à attirer les choses à vous. Absolument pas. Ce qui vous permet de vous ouvrir à ce qui veut entrer dans votre vie et ce qui vous permet de lâcher ce qui veut sortir de votre vie. La loi d'attraction, vous avez dû l'entendre souvent, est liée à votre état vibratoire. Et tout a un état vibratoire, en fait. Les choses, les gens, les liens, tout a un état vibratoire. Et donc, quand notre état vibratoire voilà, s'installe de façon prolongée à un nouveau niveau de l'échelle, savoir recevoir, comme on nous le dit ce roi de coupe, c'est être capable de s'ouvrir à ce qui cherche à rentrer dans notre vie et qui est très aligné sur cette vibration. Et savoir s'ouvrir, c'est aussi savoir relâcher pour laisser ce qui ne vibre plus au même niveau que nous sortir de notre vie. Et là, on parle de ça, en fait. Il y a quelque chose au niveau vibratoire, au niveau du donner et recevoir, au niveau de la connexion, au niveau de la reliance, en fait, avec ce roi de coupe, il y a un niveau qui a été atteint. Ça, ça a été fait. D'accord? Il y a un niveau qui a été atteint. Et du coup, ce mois de décembre, eh ben, ces vents stellaires, c'est quoi? C'est la vie qui alignée, la vie qui vibre, tout ce qui dans l'univers ou dans la vie vibre à ce même niveau, qui commence à s'installer dans notre vie, en fait, sur ce mois de décembre. Il y a, avec ce roi de coupe, cet aspect, on est arrivé à un état, on est arrivé à un niveau, d'accord, intérieur, très lié à l'intuition, à la guidance, mais aussi très lié à la reliance, au donner, au recevoir, c'est-à-dire à ce qui en nous bouge, d'accord, comme un écho, en fait. Ce qui en nous bouge, quand à l'extérieur de nous, la vie bouge. Donc, c'est l'effet de résonance aussi. OK? C'est cette résonance. Et donc, on a atteint, collectivement et individuellement aussi, chacun de son côté, il y a ce côté, on a atteint un état. Et cet état, il est en train de s'installer sur le mois de décembre. Donc pour certaines personnes, selon où vous en êtes, vous allez constater toujours plus de paix, toujours plus de stabilité, ou au contraire, toujours plus de mouvement, en fait. Parce que vous êtes dans cette étape-là, où ça brasse à l'intérieur et c'est en train de remonter. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec le roi de coupe. Aujourd'hui, vous avez suffisamment d'ancrage, on en a parlé, vous avez suffisamment de connaissances de vous-même, vous avez une suffisamment bonne conscience de vous-même pour faire face à cette mouvance à l'intérieur de vous. Et on vous demande avec le roi d'avoir très conscience de ça, en fait, notamment dans les mouvements, dans les moments où ça tempête un peu, pour vous rappeler que si vous avez cheminé jusque-là, bah, c'est aussi pour être capable de faire face à tout ça, d'accord? Parce que, en fait, quand on chemine sur le chemin de guérison ou de spiritualité, on chemine pour différentes raisons, mais souvent, on chemine pour pouvoir être plus heureux. Mais le fait d'être heureux, puisque être heureux, c'est une capacité, hein. Ça s'apprend, ça se construit, ça se fait pas comme ça. Vous n'allez pas vous lever un matin et vous allez être heureux. Vous allez vous mettre toujours plus en phase avec ce qui, à l'intérieur de vous, n'est pas heureux. D'accord? Et c'est ça, le roi de coupe. Et pour certaines personnes, voilà. Mais c'est pas certaines personnes, en fait, c'est tout le monde. Parce que peu importe l'état dans lequel vous entrez, là, ou dans lequel vous êtes entré, qui est plus ou moins stable, ça vous rend aussi capable de faire face à une mouvance toujours plus profonde, ou élevée, selon comment on voit la chose, à l'intérieur de vous. Et donc, on a cette étape-là qui a été franchie, collectivement, d'accord, et qui individuellement prend des formes différentes parce qu'on n'est pas tous au même endroit, au même niveau, au même moment. Mais il y a bien quelque chose qui est en train de s'installer ici. Le page d'épée et le 2 de bâton nous disent que la résultante de ce nouvel alignement, c'est qu'il va falloir se mettre en action. Et du coup, cet effet vent, vous pourriez avoir l'impression pour certaines personnes, soit que vous êtes très 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 poussé dans une direction au point que ça va trop vite pour vous, soit vous avez l'impression de faire face à un vent contraire, en fait.
Dans les deux cas, l'énergie est la même et il y a un besoin d'ancrage. Mais on a des choses qui avancent, en fait, sur ce mois de décembre. Il y a des choses qui commencent, mais dans le sens où il va falloir commencer des choses. Le page d'épée, c'est vraiment ce personnage qui est prêt à se lancer, d'accord, et qui est encore en train d'étudier la situation, de se renseigner, de se former, d'essayer de comprendre, de réunir les informations. Ça peut être aussi une énergie de procrastination. C'est pour ça que certaines personnes, vous pourriez avoir l'impression qu'on vous pousse dans une direction. parce que sinon, vous n'iriez pas tout seul, en fait. Et pour certaines personnes, c'est pas qu'on essaye de vous arrêter, mais potentiellement, on essaye de vous ralentir un petit peu. OK ? Mais c'est la même énergie, en fait. Donc, le chemin se dessine. Je disais ça, je crois, dans la météo énergétique de lundi. Si vous ne l'avez pas vue, elle est sur Charlotte VLG. Ben, elle est sur la même chaîne, de toute façon, puisque je vais publier ça au même endroit. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bref, on est dans des énergies de début sur ce mois de décembre. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et on va être appelé à l'action. Mais pas à l'action comme ça, pas à l'action impulsive en fait, à l'action réfléchie. Maintenant, le page d'épée nous dit que c'est souvent des situations auxquelles on réfléchit depuis un certain temps. Ou qui sont vieilles et qui reviennent, en fait. Okay? Mais voilà, l'énergie qui nous accompagne sur ce mois de décembre, c'est l'énergie du premier pas, en fait. Ou de vraiment du début, ok. J'ai sous-pesé. Avec ce page d'épée, j'ai sous-pesé, j'ai questionné, j'ai douté. J'ai tout fait pour me préparer, en fait, finalement, mon intériorité. Parce que le doute, c'est quoi? C'est de la préparation. Si je doute de quelque chose, c'est aussi que je suis en train de me préparer à quelque chose. Là, cette période de doute, elle est en train d'arriver à son terme. OK? Donc, pour certaines personnes, vous allez bouger sur décembre. Pour d'autres, vous allez bouger sur janvier. Mais on est, voilà, il y a cette énergie vraiment de préparation. Sachant que le 2 de bâton nous dit bien aussi qu'on va recevoir des confirmations encore et encore et encore qui vont nous dire c'est la bonne voie. Mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision, c'est-à-dire qu'il va falloir décider d'y aller, se décider à y aller. Et donc le mois de décembre, ça va être ça. Ok, j'y vais. Voilà. Je peaufine encore un petit peu parce que le doute reste toujours le plus fort à l'intérieur. Mais à un moment donné, ok, j'y vais. Donc ça, c'est les énergies de ce mois de décembre. Et on va voir ce qu'on nous dit de plus précis au niveau collectif. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Alors, on a l'as de denier, donc on a bien ce début qui est là. C'est super, on est raccord. On a le jugement, on a la fin, parfait. On a le 3 de denier. On a le 4 de coupe. On a le 10 de coupe. On a le chariot. L'ermite. Le 8 de coupe. Le 5 d'épée. Super. L'énergie qui nous accompagne, l'as de coupe. Parfait. Et le résultat, le 7 de coupe. Et en 2 de deck, on a l'empereur. Ok. Le sujet de notre mois avec le 10 de coupe, faire ce qu'on a envie de faire, vivre la vie qu'on a envie de vivre, être dans l'amour, être dans la joie, être dans le contentement. J'aime bien dire, pour moi en tout cas, le 10 de coupe est une énergie, on peut aller de l'as de coupe au 9 de coupe tout seul. On peut le faire tout seul. D'ailleurs, le 9 de coupe représente ça, le contentement d'avoir œuvré par soi-même en fait. C'est pas forcément une énergie de solitude ou de célibat, neuf de coupe, mais tout ce que j'ai, ça m'appartient, et c'est en phase avec moi, c'est aligné avec moi, et je suis dans une énergie de contentement face à moi-même et face à ma vie. Là où le 10 de coupe, c'est vraiment le 9 de coupe, plus une coupe qu'on viendrait m'offrir. Et c'est bien, elle est là. Et donc le 10 de coupe nous dit bien que sur ce mois de décembre, il y a cette énergie supérieure, d'accord ? Qui vient, qui tente plus spécifiquement de nous apporter quelque chose, de nous offrir quelque chose. On a quand même deux as. L'as représente la nouveauté, le commencement. Ça représente souvent l'impulsion. L'impulsion qui nous est apportée par le divin, on va dire, mais
voilà, qui vient de notre inconscient de manière générale, impulsé par nos guides, impulsé par les énergies qui nous entourent et qui nous gouvernent. Et donc, on essaye, sur ce mois de décembre, de nous apporter cette 10e coupe. Et on va nous l'apporter, c'est ce qu'on nous dit. Charge à chacun d'entre nous de reconnaître l'idée, l'intuition, l'impulsion, l'envie, le désir, le besoin, et d'y répondre. Okay ? L'as est une énergie à laquelle on répond. C'est quelque chose qui nous est apporté. Hein. La main, elle est tendue. Tiens, prends ça. Tu le prends pas. C'est ton problème. Tu en fais quelque chose ou pas. C'est ton problème. Mais voilà, on a bien cette confirmation que quelque chose va bouger, en fait. Mais parce que l'univers, la guidance, notre inconscient veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et le 10 de coupe, on fait pas vraiment meilleur que ça, parce que le 10 de coupe, c'est la richesse intérieure, en fait. J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi. Je suis capable de profiter de la vie, de profiter de ma vie, et donc j'ai toute la richesse dont j'ai besoin. Et on essaye de nous apporter de ça vraiment sur le mois de décembre, et on va nous l'apporter. Hein. C'est présent de deux façons différentes, d'accord ? Et on va nous l'apporter, charge à nous, avec le roi de coupe qu'on avait tout à l'heure que j'aurais dû garder, charge à nous de le recevoir et de savoir le recevoir. Donc on a des très belles énergies ici de cadeaux, en fait. De très beaux cadeaux. Et il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un podcast, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y avait ce mec, peut-être un thérapeute ou un coach. Et ça me fait penser à ça ici. Le 10 de coupe, c'est avant toute chose un état d'esprit, en fait, dans lequel je me mets en posture de réception. Mais parce que je sais que je mérite de recevoir. Et ce mec disait, je crois que c'était un thérapeute, et... Il disait qu'il avait souvent des adolescents, en fait, ou des jeunes hommes, ou des jeunes gens en consultation. Et une des choses qui nous rend profondément malheureuses, c'est qu'on a, on va dire qu'on a trois niveaux de conscience à l'intérieur. On a l'enfant, d'accord, qui veut être en sécurité, s'amuser. On a l'adolescent qui est très en colère. Et on a l'adulte qui veut juste être tranquille, en fait. Et là, ça me fait penser à cet adolescent intérieur. Très très en colère et très très en rébellion. Et donc il parlait de ces adolescents, donc vous pouvez l'écouter même si vous êtes adulte, en fait, le conseil, c'est ce que j'essaye de vous dire, hein, parce que vous avez bel et bien un adolescent plus ou moins en rébellion à l'intérieur. Et il disait que les adolescents ou les jeunes gens, pour eux, qui sont souvent des êtres, des énergies qui sont profondément dans l'ingratitude, en fait, mais c'est normal. C'est normal, c'est le stade du développement émotionnel, neuronal, psychologique, psychique. C'est normal, sur cette partie de l'âge-là, d'avoir une certaine dose d'ingratitude. Après, elle est plus ou moins pathologique, malheureusement. Mais il expliquait que à cette catégorie de personnes-là, il disait, pour vivre plus harmonieusement en famille, ou même avec soi-même, hein, c'est quelque chose, c'est un exercice que vous pouvez vous appliquer à vous-même. Il demandait à ces gens-là quelle était dans la vie la personne pour qui ils avaient le plus d'admiration. Voilà. Vraiment une admiration, quoi. Ou le plus d'amour, ou le plus de... vers lequel leur sens du service intérieur était le plus tourné. Et donc, voilà. On peut répondre n'importe quoi à cette question. On peut répondre Dieu, on peut répondre Jésus, on peut répondre David Bowie, on peut répondre son amoureuse, on peut répondre son arrière-grand-mère décédée. Voilà, peu importe. La personne pour laquelle vous avez le plus d'admiration. Et je vous invite, pendant le mois de décembre, pour canaliser vraiment à l'intérieur de vous cette énergie du 10 de coupe et pouvoir la recevoir, considérez que toutes les personnes qui viennent à vous, ou toutes les personnes dans votre vie, sont cette personne. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face à quelqu'un pour qui vous avez une profonde admiration, parce que l'admiration, c'est pas une notion que de tendresse ou que d'amour ou d'affection. L'admiration, en fait, elle nous fait aller au-delà. Elle nous fait volontairement vouloir aider l'autre, souvent. Quand on a de l'admiration pour quelqu'un, on veut connaître cette personne. Donc on va être plus proactif dans la construction de la relation.
On veut aider cette personne, donc on va lui proposer de l'aide. Il y a une notion de proactivité qui vient souvent avec l'admiration quand on est mis en contact avec l'objet de notre admiration. Pas de notre désir, hein, c'est pas la même chose. Ça peut, mais voilà. Et donc je vous invite pour ce mois de décembre, face aux personnes qui sont dans votre vie, ou aux personnes que vous croisez, ou vous-même en fait, d'imaginer que cette personne, c'est voilà, l'autre, je sais pas, votre grand-mère ou n'importe quoi, et qu'en fait vous êtes en train de vous adresser à l'objet de votre admiration en fait. Et vous allez voir que il va y avoir un désir à l'intérieur de vous d'être plus présente, d'être plus à l'écoute, d'être plus au service, d'être plus dans l'appréciation, plus dans la compréhension, plus dans la tolérance, plus dans la patience. Voilà, donc essayez de faire cet exercice-là, c'est un très très bon exercice pour canaliser, en fait, c'est vraiment ce côté « je m'ouvre ». Canaliser vient du mot « canal », donc c'est un conduit pour faire de vous un conduit pour ben, toute cette admiration, toute cette générosité, tout ce service que vous êtes capable de trouver à l'intérieur de vous pour un objet d'admiration, en fait. Et plus vous êtes capable de le faire pour une étendue de personnes larges, particulièrement les gens que vous aimez pas, même si c'est le plus compliqué, plus votre vous, en tant que canal, en tant que conduit, plus vous vous ouvrez, en fait, à toute cette énergie de service, de générosité, etc., etc. Et c'est ça qui permet de recevoir toujours plus de cette dixième coupe, en fait, qui est là. Parce que ça, cette as de coupe, c'est l'énergie qui nous accompagne. Donc c'est une énergie qui va nous amener à recevoir, en nous ouvrant toujours plus, mais à recevoir, à recevoir, à recevoir, à recevoir. Donc vous pourriez avoir des impulsions ce mois-ci, très orientées par cette as de coupe, pour aller vers des personnes, pour dire des choses, pour avoir une conversation, pour appeler quelqu'un, pour dessiner, pour peindre, pour aller vous promener, pour prendre rendez-vous je sais pas où. Tout ça, c'est dans le but d'ouvrir ce conduit, ce canal, cette coupe à l'intérieur de vous pour réceptionner en fait toute cette énergie qu'on veut vous offrir. Parce que ce roi de coupe qu'on a eu tout à l'heure, qui nous parle bien d'un état vibratoire, nous dit que vous êtes aussi prête et prêt à recevoir toujours plus de l'eau de cette dixième coupe qui est là. Donc c'est intéressant, parce que c'est vraiment l'énergie qui nous accompagne sur le mois de décembre pour nous amener, nous offrir, canaliser dans notre vie, manifester dans notre vie, toujours plus de cette énergie du 10 de coupe, en fait, qui est une énergie vraiment de sécurité intérieure, sécurité... Mais c'est plus que ça, parce que le 10 de coupe, c'est la sécurité émotionnelle, c'est la sécurité affective, c'est aussi les besoins matériels qui sont comblés. Il y a ce côté, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ce qui veut dire que sur ce mois de décembre, il y a une résolution, en fait, qui arrive au niveau psycho-émotionnel, de manière générale dans votre vie, ou sur un sujet en particulier, en fait. Et on essaye de vous amener cette résolution, on essaye de vous amener cette résolution, on essaye de vous amener cette résolution. Et au moment où je le dis, en fait, depuis ce matin, j'aimerais pouvoir le partager, j'ai un apaisement au niveau du cœur qui est énorme, 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 énorme. Et donc, on essaye de vous apporter ça. D'accord ? Voilà. Donc, voilà. Donc, début... alors ça, c'est pareil. Je dis souvent début de mois, milieu de mois, fin de mois. Non, c'est début de processus, milieu de processus, fin de processus. Voilà. Les énergies du mois de décembre. Donc, début. Début de ces énergies, l'as de denier, le jugement et le 3 de denier. Donc, on a le début et la fin. D'accord ? Sur le début du processus, il y a quelque chose vraiment qui va se faire. On va trouver une clé, on va trouver la serrure, on va trouver la porte. Il y a quelque chose qui se débloque, en fait. Hein, la combinaison de ces deux énergies-là, c'est non seulement je trouve une réponse, je trouve une solution parce qu'on me l'envoie et je suis capable de la recevoir, de la voir, de la comprendre sans la remettre en question. Et ça me permet de mettre fin à quelque chose. Du domaine du relationnel, du domaine du transgénérationnel, du domaine du travail en équipe, du domaine de la confiance, d'accord ? La confiance en les autres. Il y a quelque chose qui s'apaise ici sur mon rapport à moi-même et mon rapport aux autres, sur ma capacité à travailler les autres, à travailler avec les autres. Il y a quelque chose sur ce qui s'apaise, sur la capacité à être dans l'interdépendance, à être dans l'interconnexion, à être dans la reliance.
Donc pour certaines personnes, il pourrait vraiment y avoir une sortie de dépendance ici par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et pour d'autres personnes, eh ben, vous enfoncez toujours plus sur le chemin de l'interdépendance, en fait, de l'interconnexion humaine et de votre capacité à pouvoir travailler avec les autres. Du coup, mon exercice que je vous ai donné tout à l'heure, il est vraiment raccord ici, hein. C'est-à-dire que tout le monde est Dieu. Tout le monde est Dieu, tout le monde est Jésus, tout le monde est David Bowie, tout le monde est, je sais pas, Eminem, peu importe pour qui vous avez de l'admiration, tout le monde est ça, en fait. Parce que tout le monde est une incarnation de ça. Il y a une résolution qui se fait ici, en début de mois, sur vraiment la capacité à faire confiance, en fait. La capacité à faire confiance, la capacité à avoir confiance, la capacité à accepter l'effet miroir, d'accord ? Ce qui pourrait vous amener aussi justement à faire des rencontres importantes, à demander de l'aide, à vous sentir capable, d'accord ? Parce que le 3 de denier, c'est aussi cette énergie où j'admire ce que les autres font et pendant très longtemps, je ne me sens pas à la hauteur. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se résout à l'intérieur de moi et je comprends que je peux faire aussi bien, en fait. Pas forcément pareil, hein, parce qu'on a tous des aptitudes différentes, mais je peux faire. Moi aussi, je peux faire, en fait. Moi aussi, je peux faire. Donc, vous pourriez aussi, voilà, avoir début décembre, une impulsion à faire quelque chose, à manifester quelque chose, à aller dans une certaine direction, à apprendre, à découvrir, dans ce sens où moi aussi, je peux faire comme ça, ou moi aussi, je peux faire ça, ou moi aussi, je peux faire aussi bien, en fait. Pour peu que je me mette au travail, hein, puisque le 3 de denier, comme n'importe quelle énergie de denier, est une carte d'effort, hein, de travail, d'implication, notamment au travers du corps. Et on a bien quelque chose ici qui est relâché sur ce domaine-là, sur le domaine de la confiance en soi, de la comparaison, du jugement, ok. Et l'autre est une menace. Je ne me sens pas en sécurité. On revient à ce sentiment de sécurité intérieure ici. Donc il y a quelque chose qui est relâché ici sur la peur de l'autre, la peur d'être en contact, la peur d'être jugé, la peur de ne jamais trouver son groupe, la peur de ne jamais ressentir le sentiment d'appartenance, la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus qui pourraient être mises en mouvement, en fait, mises en branle début de mois. Et donc selon là où est le vent, il va falloir avancer ou il va falloir lâcher. Et comme dit, c'est la même énergie. Vécu différemment. Donc on a ça déjà sur la première partie de moi. Et on a vraiment quelque chose qui lâche. Et en même temps, le jugement, c'est l'énergie de l'éveil. Plus spécifiquement, c'est l'énergie de l'éveil. Donc il y a cet aspect avec cet as de denier où on va venir vous montrer quelque chose. Où on essaye de vous apporter quelque chose de toute façon. Pour vous montrer que vous avez quelque chose à régler. On a une énergie de décision forte ici avec le jugement. C'est-à-dire que là, début, mi-mois de décembre, vous allez probablement voir quelque chose, comprendre quelque chose, reconnaître quelque chose. Et après, on peut plus faire semblant, en fait. Ok, là, il faut que je... Parce que le jugement, on juge, en fait. Donc, on vient évaluer une situation. Il y a un changement de point de vue ici qui est fort, hein. On vient vous apporter une solution qui va amener un changement de point de vue sur une situation relationnelle au sens très très large, d'accord, transgénérationnelle aussi, mais vraiment très large avec ce 3 de denier aussi sur certaines capacités, certaines compétences, d'accord, voilà, développement de certaines compétences, et on vous apporte un autre point de vue. Et après, vous ne pouvez plus voir en fait les choses comme vous le voyez avant. Il y a vraiment une lumière qui se fait à l'intérieur, la lumière s'allume et... Ok, donc maintenant que j'ai cette double vision, parce que vous avez la nouvelle, mais vous avez aussi toujours l'ancienne, bah, il faut que j'évalue la situation maintenant à la lumière de ces nouvelles informations et que je prenne des décisions, en fait. Ces décisions sont faites pour vous rapprocher de votre famille d'âme, des gens qui sont comme vous, en fait. Donc, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout. De toute façon, rien de ce qui va se passer sur le mois de décembre ne sera anodin, mais de toute façon, rien de ce qui se passe dans votre vie n'est anodin de toute façon. Mais voilà, ça fait beaucoup de toute façon. Mais il va y avoir une décision à prendre, en fait, suite à un jugement. Et le jugement implique une évaluation des faits. Donc, il ne s'agit pas de faire les choses comme ça. Là, on n'est pas dans une énergie action-réaction.
il se passe quelque chose, je comprends qu'il se passe quelque chose, je vois qu'il se passe quelque chose, ben c'est notre pêche d'épée qu'on avait tout à l'heure, hein. Je pèse, je sous-pèse, je compare, je réfléchis, je me renseigne si je manque des informations, je pose des questions si je doute, et je prends cette décision de façon éclairée. Le 3 de denier vous invite aussi à demander de l'aide, en fait, si vous n'arrivez pas à... Je vois le marteau d'un juge à juger cette situation par vous-même et à prendre une décision que vous estimez juste et éclairée. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire aider, à vous faire accompagner par rapport à cette énergie qui va se présenter dans votre vie, qui peut voilà, prendre mille et une formes possibles. Hein. Donc ça, début de mois. Milieu de mois, 4 de coupe, 10 de coupe, chariot. Le chariot. On a une belle énergie ici. Avec cet aspect, ce côté, je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, vraiment. Cet as de coupe, cet as de denier. Peut-être que vous redoutiez, d'accord? C'est peut-être en conversation, hein, vous êtes en marchandage intérieur depuis des semaines, depuis des mois sur un certain sujet. Parce qu'on voit bien qu'il y a une résistance avec le 4 de coupe. J'ai peur que ça me plaise pas, j'ai peur que ce soit pas pour moi, j'ai peur en fait. On peut avoir des énergies de peur ici. Et il y a ce côté en fait, où on vous dit avec le 10 de coupe et le chariot, mais en fait ça va être génial. Contre toute attente, et en fait je m'y attendais pas du tout. Donc on a quelque chose qui cherche vraiment à rentrer dans votre vie, hein, on le voit, hein, notre as de coupe il est là, hein. On le voit. Avec cet aspect, le 4 de coupe, c'est toujours... Alors ça peut être plein de choses, le 4 de coupe. Ça peut être aussi apprendre à dire non. Mais ici, c'est vraiment... c'est pas ce que j'avais demandé. Je voulais pas ça. Je voulais que ce soit autre chose. C'est un peu, vous savez, le 4 de coupe qui vient avec le 3 de coupe, c'est l'énergie de la fête est finie. La fête est finie. Et donc, il y a ce côté, ah, la fête est finie. Il faut rentrer chez soi, il faut retourner à sa vie, il faut, voilà, c'est une énergie, on s'est amusé, on s'est fait plaisir, on a pris du bon temps, et ça c'est terminé, il faut passer à la suite en fait. Et on n'a pas envie de passer à la suite parce que y a la nostalgie de ce qu'on a connu en fait juste avant, hein, parce que le 3 de coupe c'est vraiment la fiesta par excellence. Hein. On a cette nostalgie de la fiesta en fait, ou de peu importe ce qui était présent dans votre vie jusque-là. Parce qu'il y a cet aspect où, voilà, votre vie, elle a été comme ça jusque mois d'août, on va dire, et depuis le mois de septembre, il y a quelque chose qui essaye de changer. Je ne sais pas si vous entendez le vent, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas arrêter le vent, il est là. Et depuis septembre, je ne sais pas, septembre, octobre, il y a quelque chose qui se dessine dans votre vie qui vous dit, voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Et vous, fatalement, ben, ça vient bousculer votre quotidien, ça vient bousculer votre confort intérieur. Ça vient bousculer la fiesta, peu importe à quel point c'était la fiesta ou pas à l'intérieur de vous. Et on n'a pas envie d'aller là-bas, en fait, parce qu'on est dans la nostalgie de ce qu'on a perdu, de ce qu'on avait avant, ou de ce qui est en train de s'évanouir dans notre vie. Et contre toute attente, ce sera génial. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Contre toute attente, ce sera génial, ce sera super. Ce sera tout ce que vous cherchiez depuis un certain temps. Voilà. Voilà, comme on a cette notion de sécurité intérieure avec le 10 de coupe, moi j'ai de la peur ici. D'accord? J'ai de la peur. Et pour moi, ce 4 de coupe, c'est la peur de la nouveauté en fait. Associée à une nostalgie de ce qu'on a perdu ou de ce qu'on a vécu. Ou voilà. Et en fait, non, ça va être super, ça va être génial. Donc soyez très attentifs aux impulsions, aux intuitions, à où on essaye de vous amener depuis 4, 5, 6 mois. Ça, c'est très lié à Neptune. Depuis 4, 5, 6 mois, on essaye de vous amener dans une direction. Il doit y avoir une résistance dessus. Donc regardez dans votre vie, les chemins qu'on essaye de vous proposer sur lesquels il y a une résistance. Okay? Et demandez-vous pourquoi il y a une résistance. Et souvent, ça va être deux réponses. Premièrement, la peur de l'inconnu, mais surtout, surtout, la nostalgie, en fait, de changer d'état. Et le roi de coupe, il nous dit bien ça, on a passé une étape, donc on a changé d'état. Et c'est pour ça que je vous parlais de la loi, de la loi d'attraction, en fait. Vous êtes à un autre niveau, donc il faut ouvrir, non seulement pour accueillir ce 10 de coupe et ce chariot, qui sont très très beaux, mais ouvrir aussi pour relâcher ce 3 de coupe ici.
qui est terminé en fait. Mais vous vous rendez bien compte de la différence de potentiel en termes de bonheur entre un 3 de coupe et un 10 de coupe quand même. Et en fait, on essaye de vous faire un grand, de vous faire faire un grand saut ici. De passer du 3 de coupe au 10 de coupe. On essaye de vous faire emprunter ce chemin-là qui va vous amener de l'un à l'autre et potentiellement très rapidement. Ok ? Donc, en fait, ici, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On vous invite à aller dans cette direction-là, dans celle qui vous a, je pense, déjà été présentée parce que c'est déjà présent ici, c'est déjà présent ici. Donc, quand on rentre dans le mois de décembre, c'est déjà présent, en fait. Cette idée, cette envie, cette impulsion, cette intuition, elle est déjà là. Et pour certaines personnes, ça fait des mois qu'elle est là. Des mois et des mois et des mois qu'elle est là. Donc, pensez à vous asseoir, à ralentir en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup ces énergies de ralentissement en ce moment. Pensez à vous asseoir, à vous mettre sur pause pour questionner les résistances en fait. Et on vous invite à avoir de la curiosité par rapport à ces résistances. Ok, pourquoi j'ai pas envie d'aller là-bas? Si je suis pas, en fait, il faut rationaliser, posez-vous sur un siège et dites-vous, ok, là je suis sur mon siège, il se passe rien, je suis pas en train d'aller dans cette direction, donc j'ai pas besoin d'avoir peur. Prenez du recul. Ok, pourquoi j'ai pas envie d'aller dans cette direction? Et souvent ce sera parce que c'est pas moi qui l'ai décidé. Donc ça c'est de l'ego. Voilà. C'est la part à l'intérieur de nous qui veut absolument, absolument contrôler la vie pour être sûr que rien, qu'aucune surprise n'arrive. Mais c'est nul, en fait. On peut pas vous faire de cadeau si vous voulez pas de surprise. C'est pas possible. Et donc là, et comme je le disais, l'énergie du cadeau, elle est extrêmement présente sur ce mois de décembre. Donc laissez le vent vous mener dans une certaine direction au rythme auquel vous avez besoin d'y aller. Pour certaines personnes, il faut vous ralentir aussi, quoi. Mais donc voilà, comprenez qu'on essaye de vous faire ça, hein, faire ça en fait, de passer de ce 3 de coupe à ce 10 de coupe. Le but en fait, c'est de vous amener ce que vous avez demandé. Mais du coup, venez questionner vos résistances. Non seulement venez questionner vos résistances, mais si vous avez l'impression que la vie essaye de vous amener dans une direction que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas voulu, plutôt que d'être dans la résistance, soyez dans la curiosité en fait. Ok, si je vais là-bas, il se passe quoi ? Soyez curieuse, soyez curieux. C'est le meilleur remède à la peur, en fait. C'est le meilleur remède à la peur. Et puis, avec le chariot, ben, on a le succès, la victoire, la réussite, le dépassement de difficultés, le dépassement d'épreuves, et on s'embarque sur un nouveau chemin. Et c'est l'inconnu, mais c'est ça qui est génial, en fait. Et c'est là que la curiosité, c'est un vrai remède à la peur. Hein. Plutôt que d'avoir peur de l'inconnu, on est excité par ce qu'on va vivre, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va expérimenter. Et le chariot, c'est ça, c'est je fonce sur ce chemin que je ne connais pas parce que je suis dans l'excitation de tout ce que je vais pouvoir vivre, en fait, trouver, expérimenter, découvrir, rencontrer. Et là, on file tout droit vers le bonheur. Ce bonheur à côté duquel on pourrait très facilement passer parce qu'on serait dans la nostalgie, en fait, ou dans l'ego. Non, mais c'est pas ça ce que j'avais demandé. Moi, je voulais autre chose. Je voulais pas la voiture verte, je voulais la voiture rouge. Et du coup, j'aurais aucune voiture si je décide de dire non. Parce que c'est ça aussi le 4 de coupe. C'est moi, je voulais ça, mais je l'ai pas. Ou plus spécifiquement, je ne l'ai plus. Donc je ne peux plus l'avoir parce que le passé est passé. Et on m'apporte un truc que j'ai pas demandé. Sauf que si je dis non au truc qui arrive que j'ai pas demandé, ben finalement, je me retrouve sans rien. Parce que le passé est passé. Donc, voilà. Ne vous attachez pas à la forme des choses, en fait. On essaye de vous amener vers ce 10 de coupe, de toute façon. Donc soyez curieuse, soyez curieux. Important, ça va déjouer et désamorcer la peur en fait, notamment parce que ça va venir se connecter à l'enfant intérieur, et l'enfant intérieur c'est la curiosité par excellence en fait, et c'est l'enfant il vit, il n'est que dans la vie en fait, l'enfant, au travers notamment de cette curiosité, parce que par excellence l'enfant il apprend, hein, c'est notre page d'épée qu'on avait tout à l'heure, il apprend, il est là pour apprendre, il est là pour engranger des expériences pour pouvoir grandir, et tout le sérieux que vous venez mettre sur cet enfant intérieur, tout le sérieux que vous venez mettre sur cette curiosité, c'est de la peur. Voilà. Donc soyez curieux, soyez curieuse. Fin de mois, l'ermite, le 8 de coupe, le 5 d'épée. Il y a bien quelque chose qui lâche ici. On a quelque chose qui lâche.
On a une peur de l'inconnu ou une peur de l'autre qui lâche très fortement. Il y a quelque chose de lié au passé, d'accord? Il va y avoir probablement, j'ai l'impression que c'est plus en arrière-plan, probablement que tout ce processus-là sur le mois de décembre va nous amener à régler quelque chose vraiment, j'allais dire de notre passé, mais ce que j'entends c'est de notre histoire. Donc on peut vraiment avoir du transgénérationnel là-dessus, d'accord? Ça va être des choses... si je prends mon exemple personnel, par exemple, je ne suis pas encore passée en Espagne, je m'apprête à le faire, mais je traîne des pieds vraiment depuis un certain temps parce que il y a cette peur à l'intérieur de moi qui n'a aucun sens hein, au demeurant. Mais de, voilà, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps et au moment où j'ai passé la frontière, j'ai eu une boule d'angoisse qui m'est remontée. Très 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 forte, ce qui n'a aucun sens parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois et là c'était la première fois. Et dans mon histoire, c'est-à-dire l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents, il y a des énergies d'exil, notamment mes grands-parents paternels qui étaient espagnols ont dû fuir le régime de Franco. Et mais même avant ça, il y a eu énormément d'énergies d'exil et d'exilés dans mon histoire. Donc ça me fait penser pour mon cas un petit peu à ça, mais on a tous des histoires. Il y a cette notion d'histoire avec l'ermite. Il y a quelque chose, justement, les expériences que vous allez pouvoir faire sur ce mois de décembre ou sur ces énergies-là, en fait, peu importe que ça aille jusqu'au mois de mars, pour certaines personnes, sur ce chemin du chariot, vous allez les faire pour que vous puissiez voir que ces peurs ne font plus sens, qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur des autres. Parce qu'aujourd'hui, vous savez vous défendre. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus impuissant, impuissante. Parce que vous avez des ressources, parce que vous avez des moyens. Ok ? Le 5 d'épée, aussi désagréable que soit cette énergie où on s'est fait attaquer gratuitement, ok ? C'est aussi une énergie de victoire. Ils sont venus m'attaquer, je leur ai botté le cul. Et c'est vraiment cette énergie-là. C'est la fin de ce processus-là. Ici, pourquoi vivre ce processus-là? Pour vous venir vous prouver que cette peur à l'intérieur de vous, qui potentiellement ne vous appartient pas du tout, ne fait plus sens et n'a plus aucun sens. Et donc, vous allez battre, aussi désagréable que ce soit, parce que c'est pas agréable de faire face à la peur, hein, surtout quand on la comprend pas trop, parce que c'est pas la nôtre à la base. Vous allez battre cette peur à plate couture. Pourquoi? Non pas parce que... Comment, plus spécifiquement, au travers des actions, en répondant aux impulsions et au travers du chemin, vous allez montrer à cette mémoire, parce qu'on est dans la dimension de l'histoire, à l'intérieur de vous, que cette peur ne fait plus aucun sens. Et on a un passé ici qui va être résolu, potentiellement un passé vraiment transgénérationnel sur le sujet qui vous concerne. Ok ? Et ça va être génial. C'est ce qu'on nous dit ici, ça va être super, ça va être génial. Donc, et c'est vraiment ça, comment on se débarrasse de ces peurs en leur montrant, parce que la peur est un processus extrêmement, c'est un processus du cerveau en fait, enfin tout est un processus du cerveau, mais c'est un processus mental. D'accord ? Donc c'est un processus de données et d'informations. La peur a besoin de comprendre qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc la peur a besoin de... Pourquoi elle se déclenche? Parce qu'on n'arrive pas à donner du sens à quelque chose ou on n'arrive pas à voir les choses sous un autre angle. D'où cette posture du pendu, finalement. Hein. Se retrouver les quatre fers en l'air, la tête en bas, les pieds en l'air, c'est la posture du pendu. Donc on vient vraiment, au travers des expériences du mois de décembre, nous montrer que, que cette peur n'a plus aucun sens, en fait. Voilà. Parce que le passé est passé, ok? Donc en plus, potentiellement, c'est même pas des choses que nous, on a vécues, c'est même pas des choses qui nous appartiennent, c'est des choses qui nous ont été transmises. Donc déjà, à la base, ça fait pas sens pour nous. Et en plus, nous, ce que l'on est devenu avec ce roi de coupe, fait que l'on va pouvoir... sortir complètement vainqueur, en fait. C'est-à-dire que le 5 d'épée, elle est compliquée, cette énergie-là, parce qu'elle est tout autant extrêmement négative qu'extrêmement positive, en fait. Il y a cet aspect... On a essayé de m'attaquer par derrière, d'accord ? Il y a une énergie de trahison avec le 5 d'épée,
Et je leur ai botté les fesses, mais c'est-à-dire qu'ils repartent sans rien, quoi. Limite, ces personnages, ils devraient repartir à poil au fond de la carte. Donc c'est battu à plate couture. Voilà. Et donc il y a quelque chose dont, si vous suivez le chemin qu'on essaye de vous faire suivre, ce 4 de coupe, c'est aussi pour vous prouver à vous-même où vous en êtes aujourd'hui, qui vous êtes devenu, d'accord? Notamment en vous débarrassant de quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous a jamais appartenu, en fait, à la base, probablement. Parce que le jugement, c'est aussi le réveil des morts, donc c'est le réveil de quelque chose à l'intérieur, de quelque chose qui nous habite, en fait. Qui nous habite, qui nous habite. Et là, on a vraiment ça, dès le début de mois, on vient nous faire travailler sur quelque chose du domaine du transgénérationnel, un fantôme, en fait, qui nous habite et qui nous limite dans nos choix, dans nos mouvements, dans nos déplacements, dans notre évolution, d'accord, au sens propre comme au sens figuré, et qui limite notre accès au bonheur, et qui limite notre accès à la liberté, et qui limite notre accès à la victoire, et qui limite notre accès au bonheur. Donc le but, c'est de se débarrasser de ça. Et tout ce processus-là va nous amener vraiment à battre ça à plate couture, quoi. C'est fini, et puis après, on n'en parle plus. Hein. Et on laisse ça vraiment derrière soi, parce que ça ne fait plus aucun sens, en fait. Donc il y a vraiment une libération ici qui peut se faire. Le résultat de ça, le 7 de coupe, donc il y a avec le 7 de coupe une énergie de décision. Il va falloir se pencher sur ce problème. Il va falloir se pencher sur ce problème, il va falloir procéder par élimination, il va falloir juger les situations, les évaluer, d'accord? Enfin, prendre ses responsabilités. J'adore. Ah, super! Il va falloir prendre ses responsabilités avec l'empereur, on a bien le pendu derrière, d'accord? Pour construire quelque chose de pérenne, d'accord? Il va falloir suivre sa guidance aussi. Il va être très important de suivre sa guidance. Elle est là, et elle est là. Sur ce mois de décembre, et notre pendu, il est bien là. Hein. Donc, il est bien là. Ça va être votre responsabilité de prendre du recul, de vous mettre dans cette posture-là pour recevoir votre guidance, en fait. Pour accepter ce qu'on essaye de vous envoyer, accepter le chemin sur lequel on essaye de vous mettre, accepter que vous êtes sur le siège passager, plus ou moins. Enfin, plus spécifiquement, vous êtes bien sur le siège conducteur, mais c'est pas vous qui tenez la carte. Donc vous devez écouter pour arriver à bon port. J'aime bien utiliser cette image. Pour arriver à bon port, vous pouvez y aller au doigt mouillé parce que vous refusez d'écouter ce qu'on vous dit. Ou vous pouvez demander de l'aide aux énergies qui sont sur le siège passager. Voilà. Donc les décisions, les actions que vous allez prendre, les chemins que vous allez choisir de suivre, votre responsabilité se trouve là, en fait. Je l'ai dit, le page d'épée et le 2 de bâton, c'est une énergie de décision. À un moment donné, il va falloir décider. Donc c'est un mois de décembre où on soupèse, on évalue, d'accord? Et notamment, on observe ses résistances. Et on est curieux pour justement aller dans la bonne direction, en fait. Mais la bonne direction, vous la connaissez déjà. Vous essayez juste d'en trouver d'autres pour être sûr qu'il n'y en a pas d'autres, quoi. Parce que celle-là, vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là, en fait. Vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là. C'est ça qui est terrible. Donc voilà pour ce mois de décembre ce qu'il se passe. Ok, ce que je vais faire. Je vais faire une extension, déjà, je vais faire une extension où on va aller clarifier tout ce message-là. Ok? On va aller voir ce qu'on veut nous dire de plus. On va voir le message des guides de manière collective. Et puis peut-être, je ne sais pas encore. Pareil, potentiellement, je le ferai en deux liens, je ne sais pas. Et peut-être que je tirerai des cartes pour chaque signe. Mais je suis pas certaine. Toutes les infos seront sous la vidéo de toute façon, comme d'habitude. Donc, c'est un joli message. Mais on vous ramène aussi à votre propre pouvoir d'être incarné. C'est-à-dire que vous avez les deux pieds bien sur terre, vous êtes l'être physique. Donc, c'est à vous de tendre la main vers la coupe. C'est à vous de prendre la coupe.
On pourra pas le faire à votre place. Votre responsabilité, comme nous le dit l'empereur, elle se situe là, dans la décision à prendre et le chemin à suivre. Voilà. Donc après, avec le 7 de coupe, le 7 est toujours une énergie de recul, de ralentissement. Je prends du recul et j'observe, je soupèse, j'évalue, je juge, d'accord? Je juge une coupe, deux coupes, trois coupes, je regarde ce qu'il se passe pour faire, pour prendre la décision la plus juste et la plus éclairée possible. Donc vous n'avez pas besoin de rusher aussi, c'est ce qu'on vous dit. Mais on vous dit à un moment donné, il va falloir la prendre cette décision quand même. C'est aussi l'énergie du doute. Je vous disais tout à l'heure, le doute, aussi désagréable qu'il soit, est une phase nécessaire pour préparer sa décision. Mais il va y avoir des décisions à prendre sur ce mois de décembre. Voilà. Et pour dépasser le doute et dépasser la peur, soyez curieuse, soyez curieux. Voilà. Bon, bah, déjà, en 2 decks, on a réfléchissez. Voilà. Donc réfléchissez, c'est ce que nous dit le 7 de coupe. Observez cette situation. Ne faites pas les choses comme ça. Mais surtout, réfléchissez, c'est aussi... réfléchir, c'est pas mentaliser, en fait. Ne prenez pas de décision où vous savez très bien que c'est la peur qui vous guide. Vous savez très bien que c'est les résistances qui vous guident. Soyez très, très consciente et très, très consciente de ce 4 de coupe, en fait. Pourquoi je ne vais pas dans cette direction-là alors que tout semble pointer dans cette direction-là? Et moi, je peux vous assurer que bien souvent, la réponse, ce sera l'un ou l'autre ou les deux. J'ai peur de l'inconnu ou c'est pas ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais. Bah oui, mais en gros, t'as pas eu ce que tu voulais. Et si tu prends pas ce qu'on te propose, t'auras rien du tout, en fait. Voilà. Essayez de prendre conscience de ça. Et on a la nouvelle lune en Verseau avec « Ouvrez-vous au changement ». Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Soyez curieuse et ouvrez-vous au changement. Tout est dit et tout est là. Donc voilà pour cette guidance pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Et je vous souhaite un excellent mois.